charmant. Tu ne fais rien, tu perds ton temps. Tu ferais mieux de travailler au lieu de t'en aller traîner. Laisse les filles. Oui, laisse les filles. Tu as bien le temps d'avoir des milliers d'embêtements, crois-moi. Laisse donc un peu les filles. J'ai beau penser à ces conseils, à la fenêtre je m'émerveille et je regarde passer cette demoiselle, tant que ma mère crie plus belle. Laisse les filles. Oui, laisse les filles. Tu as bien le temps d'avoir des milliers d'embêtements, crois-moi. Laisse donc un peu les filles. Il lui faut tout le temps quelqu'un autour de lui. Il n'a pas eu beaucoup d'affection étant jeune. Alors. Bon, voilà. Non, mais enfin, n'importe comment, on pense toujours à lui. Quoi qu'il nous arrive, on pense toujours. Qu'est-ce que c'est le trou dans l'arbre? Là, c'est notre boîte à lettres. Quoi? Ben, pour donner des rendez-vous, pour dire où il se trouve. Et vous avez toujours quelqu'un qui fait le guet? Toujours, matin, toujours, soir, oui. Par n'importe quel temps, sous la pluie, quand il fait chaud, quand il fait froid. Le samedi, le dimanche. Tous les surtout jours. Le jeudi, surtout. Toute jeudi. La semaine jusqu'à 10h. Oh non, vous pas, pas toi. Ah, mais si, on travaille. Mais entre nos heures de travail, en sortant du travail, on vient. Nos heures de table. Nos heures de table. Ou alors on s'échappe, on prend des journées. Les mains tendues, tu réclames ta liberté. À ton père qui ne peut pas et ne veut pas comprendre. La France a pris un coup de jeune. Au début de la décennie, presque un Français sur trois a moins de 20 ans. Mutins et mutants, ils perçoivent le modèle familial qui effectivement se délite comme archaïque. Vous restez jamais avec vos parents, soit? Oh, c'est pas intéressant, ça décroule. Non, on s'accorde pas, c'est pas pareil, on n'a pas les mêmes idées, alors. Par exemple, qu'est-ce que tu as comme idée que n'a pas ton père? Bah, je sais pas, moi, quand je lui dis j'aurais bien passé mon permis, un truc comme ça, il me dit non, t'es encore trop jeune, moi, à ton âge, j'avais pas de voiture, je faisais la guerre, des trucs comme ça, alors. Évidemment, pour un coup, il y a une question de sortir, t'es d'accord avec ta sœur. Hein, sûrement. T'as pas de plainte, toi. Pas une seule fois, je suis sorti. Pas une. Pas une, bon. T'as eu une permission. Jamais de... sorti le soir. Tu as eu une permission de 11h, il y a... Il y a pas longtemps. Oh, allez. Même pas dans une nuit. Non, non, c'est pas vrai. Bon alors, et t'es même... ben chaque voyons. Fois que je sors, je reviens à 7h, 8h. Edith, je suis jamais revenu plus tard, alors... Bon, dernièrement, il y a ça 2 mois, Philippe a bien eu une sortie de nuit, non? Oui, parce qu'il est c'était son anniversaire. On était à 40. Non, moi, t'as eu une sortie de nuit. Voilà. Alors, ce jour-là, tu l'as eu, parce qu'on savait ce qu'on faisait. Ouais. Tu étais justement 40, il y avait des adultes pour t'encadrer. Hein? Chapeau, hein, pour la sortie. C'en est une, mon vieux. Dans ma classe, papa, hein, tous mes copains, oui, peuvent sortir. Moi, je reste persuadé que tous ceux qui sortent ce soir, ben, c'est pas ceux qui sont en tête de la classe. Oh, je pense. Voilà, que je suis en tête, moi. Comment? Je suis en tête, moi, peut-être. Mais non, mais tu devrais l'être. D'accord. Alors. Bien sûr. On te demande aucun effort, pourtant, hein, et puis finalement, tu n'y es pas en tête, ben, et tu ne sors pas. Bon. D'accord, ben, ça ne veut pas dire pour ça que ce sont tes sorties qui t'empêche d'être en tête, puisque tu ne sors pas. Mais à ce moment-là, au lieu de toujours ton fameux sport, de l'athlétisme, là, et encore, je parle vite de l'athlétisme, hein, t'arrives, pend dans le fauteuil, la télé, des bouquins, San Antonio et autres. Ben, justement, ben, ça ne suffit pas, moi je veux sortir et c'est tout beau. Ah, c'est moi, voilà. Pareil, là. Ben, vous attendrez les plus âgés. Mais vous savez ce que c'est sortir, Robin? Sortir, mais oui. C'est aller en boîte, trouver des filles, aller au cinéma, des trucs comme ça. Ben, non. Mais pourquoi vous ne voulez pas qu'on sorte, après tout Parce que j'ai peur des mauvaises fréquentations et de toute façon on n'a pas d'argent pour vous donner toujours comme ça pour des... Pas une question d'argent, l'argent parce que... Mais si, c'est une question d'argent, si vous sortez on ne peut pas vous laisser sortir sans argent quand même. Oui, et puis il y a le fait aussi, hein, que c'est une gamine. Bon, évidemment. Une gamine, elle s'amène la bouche enfarinée et puis un jour ou l'autre elle nous rapporte un colichinelle en tiroir.